Les anges ont chanté dans les cieux. Le Tout-Puissant, il est né. Qui solo le roi est né. Les anges ont chanté dans les cieux. Au nom du Père, qui Papa, qui solo le Loukelo Charles, du Fils, dit Papa, Dialungana, Kangani, Salomon, le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, trois fois disposé ici-bas sous le soleil, à savoir Kimbangu Ier, Tata Kimbangu 1887, et Tata Kimbangu II, Kuntima Diangienda, 22 mars 1918, et tel qu'il est actuellement, il est revenu, Ngaka Kimbangu Simon Kangani, le chef spirituel et représentant légal de cette nouvelle civilisation. Jour J plus 5 du 98e anniversaire de cette nouvelle civilisation. Nous sommes donc aujourd'hui le 5 de ce mois de Kintombo en l'an 98, l'équivalent du 10 du mois d'avril en l'an 2019, d'après ce qu'ont décidé les grégoriens, les papes Grégoire, donc l'église catholique romaine. Mais nous étant dans le système de Tata Simon Kimbangu Kyangani, aujourd'hui on est le jour J, depuis le samedi dernier, c'était le nouvel an, le premier jour de Kintombo. Après, nous sommes aujourd'hui samedi le 1er, dimanche 2e, lundi 3e, mardi 4e et mercredi, on est le 5e jour de ce mois de Kintombo en l'an 98. Mes chers amis, je viens en face de vous pour vous faire état de mon modèle politique. Je vous dis que je suis Diakongo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, excusez-moi. Notre but sur terre est d'accompagner sa divinité dans cette structure tampon modèle qui est donc l'EJSK, donc E, Église, autrement dit Évangile de Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'on envoie ce message Simon Kimbangu et nous, en tant que ses disciples, dans le cadre de cette structure de communication qu'on appelle Média Kimbanguiste, le Média Ki, et dans le mot Média, nous faisons ressortir le terme messager, E comme évangélisation, donc la bonne nouvelle, et Wadlion, D divinement, I inspiré, A action du Tata Kimbangu ou des activités du Kimbanguisme. C'est pour cela que nous faisons cet exercice communicationnel pour venir vous faire état des sommes de choses. Ici, en tant que politique Dia Congo, j'ai toujours dit que mon modèle politique, c'est Tata Kisolokele Lukelo. Mon modèle scientifique, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana. Et mon modèle spirituel, c'est Tata Kuntima Diangienda, donc Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Trois fois disposé, le Saint-Esprit donc. Nous ici, nous intervenons parce qu'on est ce qu'on appelle un maillon de cette structure qui permet d'accompagner sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kiangani, je suis de le média, donc communicateur. Et donc, ma communication aujourd'hui est axée sur un support. Je me suis procuré de ce support-là. Je vais vous le montrer. Là, c'est en version inversée. Hein. Je vais vous montrer tel qu'il est. Je me suis procuré, grâce à mon responsable au sein de l'Union Jeunesse Kimbanguiste Paroisse Pilote, Papa Olivier, qui était en Kamba et qui s'en est procuré. Hein, et c'est réécrit par le patriarche Papa Aaron Nzinga Kinsukulu. Il fait état ici de Dieu le Père, Papa Kisolokelo, mon modèle politique. Voyez-vous? Et donc, je vais pouvoir vous relater aujourd'hui ce qu'il a écrit, ce témoin de Tata Kisolokelo. C'est un contemporain de Papa Kisolokelo, révérend patriarche Nzungu Tata Nzinga Kinsukulu, pour son support qu'il a écrit pour témoigner de ce qu'il a vécu à côté de Dieu le Père, qui nous a visités sur terre entre le 12 février 1914 et le 17 mars 1992, autrement dit 92, sur terre. Ici, je vais prendre la page 48. C'est la page 48. S'il vous plaît, regardez bien, c'est la page 48. Pour ceux qui veulent se procurer pour me contacter plus tard de ce document-là, Papa Kisolokele, tenant en sa main le casque colonial, hein, en 1958. Donc, je vais faire état de la page 48 jusqu'à ce que Papa Simon Kimbangu le permettra ou je pourrai m'arrêter. En tout cas, si le temps me le permet,
c'est mon l'objet de mon de ma, de mon de mon intervention médiatique de ce cet après-midi, de ce pause de pécuniaire que j'ai en ce moment-ci. Alors, il est fait ici chapitre 3. Mariage de papa Charles Kisolokele. De manière générale, l'opinion publique distille des idées fausses sur la vie conjugale de papa Charles Kisolokele Lukelo, Dieu le Père. Elle répond l'idée selon laquelle papa Charles Kisolokele avait eu dans sa vie trois épouses. Tel n'était pas le cas. Comment? En réalité, papa Charles Kisolokele avait eu des enfants avec trois femmes. Donc, il faut nuancer entre ce qu'on appelle mariage et avoir des enfants. Ok? Donc, en réalité, donc, papa Charles Kisolokele avait eu des enfants avec trois femmes. Nuance. Cela en connaissance de cause. Bien des gens ne le savent pas. Suivez attentivement comment les événements se sont produits. 3:1. Donc le chapitre 3, verset 1. Wambajan, première épouse de papa Charles Kisolokele. À la fin des études à la colonie scolaire de Mboma, s'il vous plaît, ici je ne dis pas Mboma, moi je dis Mboma parce que le terme approprié c'est Mboma. Le territoire des serpents, où nos aïeuls, quand ils ont quitté l'Égypte antique, ils sont venus se réfugier là-bas, ils ont créé ce qu'on appelle le territoire de Mboma Mvumbi. Mboma Mvumbi. C'est là ils sont posés là-bas pour contrôler. Et d'ailleurs, les Occidentaux qui sont venus, c'était la capitale de la RD Congo à l'époque. L'État indépendant du Congo, c'était Vivi. C'est là-bas la capitale. Tu vois, prépare Nodé d'ailleurs, Stanley Poul, Livingstone et tous ces Anunnaki là, qui sont venus chez nous d'une manière impériale, sous la conduite de Lucifer, dans leur magie de Baal, la Balgique. Magie de balle. Donc, notons que la colonie scolaire, donc je disais, à la fin de ses études, à la colonie scolaire de Mboma, papa Charles Kisolokele, Lukelo, était engagé dans l'administration coloniale belge. Notons que, qu'à la colonie scolaire de Mboma, il avait suivi une formation orientée vers la gestion de l'administration publique. Devenu responsable, papa Charles, donc Charles veut dire le fort. C'est un prénom d'origine germanique, veut dire fort. Donc Wangolo, Wangolo. Papa Charles, qui sous lequel est Lukelo, devait nécessairement avoir une compagne, donc devait se marier. Cependant, se trouvant en relégation, comme prisonnier, il ne lui était pas autorisé par le pouvoir colonial, donc la magie de Bâle, la Belgique, de rentrer chez lui, au village Ngombe Kintsuka, donc le territoire, la ville voisine de Nkamba, c'était sainte, et se choisir une femme. Toute sa vie était gérée par les missionnaires catholicos, catholiques, belges. L'un des piliers du pouvoir colonial. Ces missionnaires avaient trouvé au couvent des sœurs catholiques de Mboma une jeune fille comme épouse pour papa Charles Kisolokele Lukelo. Cette jeune dame s'appelait Wamba Jeanne, du clan Muyombe Mukongo. Le pouvoir colonial va doter cette jeune dame pour papa Charles Kisolokele. Le père de Mama Wamba répondait au nom de Wamba, un Mukongo, Manyanga de Luozi, qui, de ce fait, va accepter donc ce mariage. De cette union vont naître deux enfants, Jean Kisolokele Wamba, l'aîné, et Simon Kimbangu, le second. Pourquoi le pouvoir colonial doit-il choisir une femme pour le relégué Charles Kisolokele? Parce que le pouvoir colonial avait le projet de disqualifier papa Charles Kisolokele. Cependant, il y a lieu de noter que pendant cette union, papa Joseph Kuntima Diengienda était sur le banc de l'école à la colonie scolaire de Mboma. Donc, dites Mboma, mais moi dis Mboma parce que c'est le terme approprié. C'est l'occidental qui n'a pas pu prononcer la lettre M. Il disait Mboma, mais c'est Mboma. Chez papa Kisolokele, pendant le repas, chez papa Kisolokele, au domicile familial, chez papa Kisolokele, pendant le repas,
Maman Wamba avait l'habitude d'arranger la table pour trois personnes. Papa Charles Kisolo Kelelu Kelo, papa Diengenda Kuntima Joseph. Et pour elle-même, la rupture de cette union va intervenir après la naissance de leurs deux enfants. Et pour cause, pendant sa scolarité, au couvent de sœurs, Maman Wamba cohabitait avec un jeune homme. Cette cohabitation avait perduré jusqu'à l'union de celle-ci avec papa qui soloquait les Charles. Mais ce dernier n'était pas au courant de cette relation. Rappelons que ce mariage était imposé par le pouvoir colonial belge, donc la coalition internationale. Ce jeune homme, ami de Maman Wamba, était fonctionnaire, un commis dans l'administration coloniale. Peu de temps après le mariage de papa de la jeune dame Wamba, papa avec papa qui soloquait les Charles, le jeune homme, alors concubin de la jeune Wamba, Jeanne, était muté à Kinshasa. À Kinshasa, le jeune homme enverra des lettres à Maman Wamba, lui signifiant qu'il était toujours amoureux d'elle et qu'il n'aura pas une autre femme qu'elle. Dans une de ses lettres, il notait qu'il lui enverrait un petit colis contenant une poudre, en fait un poison, qu'elle aura à mélanger dans la nourriture du papa Charles Kisolo-Kele pour l'éliminer, afin qu'elle puisse devenir libre et avoir la possibilité de le rejoindre à Kinshasa pour enfin devenir définitivement sa femme. Enfin, chose dite, chose faite, le colis sera envoyé et les instructions seront suivies impérativement à la lettre par Maman Jeanne Wamba. Wamba Jeanne. Un jour, après avoir préparé la nourriture et arrangé la table, elle n'attendait que l'arrivée à 12 heures de son mari. Papa Charles Kisolo Kele, pour exécuter papa Charles Kisolo Kele, son mari, papa Charles Kisolo Kele, son mari, papa Charles Kisolo Kele, Daniel. Charles, fort, le fort, le fort. Kisolo Kele. Afin d'exécuter donc sa salle benzone. Mais contre toute attente, à 11 heures, averti par la révélation divine, par son père, Tata Kimbangu Simon, de l'œuvre diabolique de Maman Wamba pour l'élimination physique par empoisonnement de Papa Kisolo Kele Lukelo, Papa Joseph Kuntima Diengenda avait reçu l'ordre de son père, donc Tata Kimbangu, de se rendre en ce moment-là à la maison avant l'arrivée de son frère Papa Kisolo Kele Lukelo, qui ne devait ni toucher ni consommer la nourriture préparée par Maman Wamba. Une fois à la maison, Maman Wamba avait déjà préparé la table pour Papa Joseph Diengenda pour qu'il puisse manger en premier lieu sans attendre son grand frère, Papa Charles Kisolo Kele Lukelo. Mais Papa Kuntima Diengenda refusait catégoriquement de manger avant son grand frère. Il faisait savoir à sa belle-sœur, donc Maman Jeanne Wamba, qu'il attendra son grand frère, Papa Charles Kisolo Kele, pour manger ensemble comme il est d'usage, comme d'habitude donc. À ce propos, Maman Wamba avait piqué une fougue de colère et retorqua donc à Papa Kuntima Diengenda comme suit. Aujourd'hui, tu ne mangeras pas ensemble avec ton grand frère. La table est faite pour toi. Tu vas manger seul, sans ton grand frère. Papa Kuntima Diengenda répondait fermement de manière suivante. Attendons tous Papa Charles Kisolo Kele. C'est dans cette atmosphère de fête que s'engageait une vive discussion entre Papa Diengenda Joseph et sa belle sœur Maman Wamba Jeanne. Entre temps, Papa Kisolo Kele venait du travail, entrait dans la maison. Il surprenait donc son petit frère, Papa Joseph Kuntima Diengenda, et sa femme Maman Wamba Jeanne en vive discussion. Sans attendre, Papa Kisolo Kele Lukelo Charles
posa la question de savoir le pourquoi de la discussion. Papa Diangenda lui répondit ainsi: grand frère, nous discutons d'un problème ayant trait à votre nourriture. Tiens, donc, de quoi s'agit-il? Posa la question donc papa qui se interloquait, papa qui se loquait pour interpeller son frère. Papa Gouti me répond: la nourriture mise sur la table par maman Jeanne. Wamba, répliqua-t-on. Donc, papa qui se veut dernier n'a répondu. La nourriture mise sur la table par maman, répliquait maman Jeanne Wamba, destinée à votre consommation, grand frère, est certainement empoisonnée. N'osez pas la toucher ni la consommer. Si vous avez le doute sur ce que j'affirme, demandez à votre épouse, donc maman Jeanne Wamba, de la goûter en premier lieu, avant vous. Donc papa Koutima relate cela à son grand frère. Après cette parole de papa Diangenda, la réaction violente de maman Wamba ne s'était pas fait attendre. Très irritée, maman Wamba s'en était pris à son beau-frère avec hargne. Au vu de la discussion, papa Charles, qui se loquait, interpellé par la réaction inhabituelle de son épouse, préféra suivre le conseil de son jeune frère, papa Diangenda. De ce fait, il fit appel à un médecin d'État pour réaliser une expertise sur le repas mis en cause. Après examen de cette nourriture au laboratoire, la thèse d'empoisonnement fut confirmée. En effet, la nourriture contenait un poison à réaction immédiate. En effet, qui allait, si papa qui se loquait l'avait consommé, le tuer sur le champ. Ainsi, n'eût été la clairvoyance de son jeune frère, papa Kuntima Diangienda Joseph, papa qui se loquait l'oukelo, serait empoisonné ce jour-là même et peut-être décédé. Donnant ainsi la possibilité à maman Jeanne Wamba de rejoindre son concubin à Kinshasa, car en fait, malgré le mariage obligé de maman Wamba par les colons belges avec papa qui se loquait le Loukelo Charles, la première relation amoureuse persistait toujours et les deux concubins s'aimaient davantage, voire fortement. La preuve était attestée par le fait que maman Wamba Jeanne n'avait pas nié cette thèse d'empoisonnement. Suite à cette tentative d'empoisonnement de son mari, attestée par le service sanitaire de l'État colonial, maman Jeanne Wamba était mise aux arrêts et incarcérée immédiatement. Papa Charles Kisolokele Lukelo demanda alors au service de l'État qu'elle soit interrogée afin qu'elle dénonce le commanditaire de cet acte criminel et son motif. Chemin faisant, maman Jeanne Wamba exposait la vérité en ces termes. L'acte d'empoisonnement est l'œuvre de mon concubin, donc mon ex. Il a souhaité que j'élimine papa Kisolokele afin que nous puissions reprendre notre vie d'ensemble, comme par le passé à Kinshasa. Après l'interrogatoire et l'emprisonnement de maman Jeanne Wamba, quelques temps après, le présumé commanditaire, donc le concubin de maman Wamba Jeanne, sera à son tour arrêté par l'administration judiciaire coloniale. Consultant le dossier du prévenu, papa Charles Kisolokele Lukelo va constater que ce monsieur était son condisciple de promotion à la colonie scolaire de Mboma. De ce fait, papa Charles Kisolokele, miséricordieux qu'il est, va demander sa libération. Ainsi, après quelques temps, papa Kisolokele confirma cette demande auprès de l'administration judiciaire. Il demanda à ce que les deux personnes incarcérées, donc son ex-épouse, donc je veux dire celui qui a failli le tuer, maman Wamba, et son condisciple, donc son ex-fiancé, le concubin donc de maman Jeanne Wamba, soit immédiatement libéré. Ainsi, la tentative d'empoisonnement et l'incarcération
de son épouse, Jeanne Wamba, sont à la base de la cassure de l'union conjugale entre papa Charles Kisolokele Lukelo et maman Wamba, Wamba Jeanne. À la rupture du mariage, papa Charles Kisolokele avait récupéré ses deux enfants, Kisolokele Wamba Jean et Simon Kimbangu Kisolokele, et les avait envoyés chez sa mère, maman Mouilou Ankamba, pour y être élevé. L'acte chapitre 3-2. Le cas de maman Nsasa Hélène et de Nsalulu Pauline. La nouvelle d'empoisonnement de papa Kisolokele, suivie de sa séparation avec maman Wamba, était devenue un sujet d'actualité à Boma. Donc à Boma. Alors, capitale, à ce moment-là, Boma est donc la capitale du Congo belge. La même nouvelle parvint en Kamba et maman Mouilou Kiawanga Nzitani, mère biologique de papa Kisolokele Lukelo, avait appris la triste nouvelle. En ce moment précis, papa Joseph Diengenda Kuntima terminait ses études à la colonie de Mboma et fut directement engagé dans l'administration coloniale avec pour affectation les territoires de Banana. Banana. Au même moment, papa Charles Daniel, enfin c'est le qualificatif, papa Charles Kisolokele Lukelo va quitter donc Mboma pour être muté à Tchela. Les relégués arrêtés en 1921 pour la cause du kimbanguisme, ceux de Mboma, de Lemba et de Tchela s'étaient retrouvés ensemble à Mboma afin d'examiner la situation sociale de papa Charles Kisolokele. Au cours de cette rencontre, il fut constaté que papa Charles Kisolokele vivait seul. Il fut également évoqué le fait que papa Charles Kisolokele, Lukelo, était étroitement surveillé par le pouvoir colonial, ce qui rendait impossible son déplacement vers chez lui au village, donc à Nkamba, afin d'exposer sa situation sociale auprès des siens pour enfin se choisir une nouvelle épouse. L'assemblée des relégués prit la mesure de trouver une jeune dame comme épouse à papa Charles Kisolokele. Cette fois encore, l'assemblée alla puiser auprès du réservoir des dames. Réserve et voir des dames, le couvent des sœurs à Kizu, à Tchela. En découvrant une jeune fille répondant au nom de Nsasa Hélène du village de Yombe du Bombo. Son oncle s'appelait Kakielo Bumba. Ayant réuni toutes les informations sur la jeune fille et sur sa famille, les relégués de Tchela et les anciens ressortissants de Bessingombe s'étaient organisés pour contacter la famille de la demoiselle Nsasa Hélène afin de demander sa main. La démarche était concluante. La famille accepta la proposition de mariage entre leur fille et papa Kisolokele Lukelo Charles. Mais dans tout contrat de mariage coutumier, excusez-moi, dans la société Congo, je dis bien, dans tout mariage coutumier, dans la société Congo, on pose préalablement des conditions. Du côté du futur époux, toutes les exigences posées par la famille de la jeune fille étaient remplies. Enfin, maman Nsasa Hélène était devenue l'épouse de papa Charles Kisolokele. Cependant, soulignons que de ce mariage coutumier, non religieux s'il vous plaît, non religieux, que je dirais agariennement parlant, donc un mariage agarienne, agar, donc non religieux, était conclu après une période d'observation de la fiancée Nsasa
et de sa fille pour éviter que la situation antérieurement vécue avec Mama Wamba Hélène ne se reproduise. Curieusement, au moment où Papa Charles Kisolokele s'organisait pour son mariage coutumier avec Maman Sasa Tsela à Tchela, en Kamba, à la même période, Maman Marie Mwiluka Wanga Nzitani avait tout, avec toute la famille, y compris Papa Koutima Joseph Diangienda, en Kamba, pendant la même période, Nkaka Mwiluka Wanga Nzitani Marie, avec toute la famille, évidemment, Papa Koutima Diangienda Joseph étant de la famille, donc faisait partie de cette idée, au courant de rien, de ce qui s'est passé à Tchela, prenait des dispositions pour choisir une jeune fille comme future épouse de Papa Charles Kisolokele Lukelo. Ce, en remplacement de Mama Jeanne Wamba. Sans plus tarder, la famille jeta son dévolu sur une jeune demoiselle du nom de Nsalulu Akanda Pauline, fille de Papa Kinyuka Alphonse, ancien ami de Papa Simon Kimbangu. Maman Nsalulu Akanda Pauline est du village Lukengo, dans la périphérie, dans la banlieue de Nkamba. La famille avait trouvé ce choix judicieux dans la mesure où Papa Kinyuka était plus proche de Tata Kimbangu Simon pour avoir grandi ensemble et reçu le baptême au même moment avec lui à la mission de la mission British Missionary Society, la mission britannique à Gombelou Tété, la BMS. Soulignons que de toutes ces négociations en Kamba au sujet de son futur mariage avec Maman Nsalulu Akanda Pauline, Papa Charles Kisolokele n'était au courant de rien. Bien au contraire, il avait déjà une autre épouse en la personne de Maman Hélène Nsasa, qui, elle, était choisie par les notables relégués des cataractes au bas fleuve. Donc, elle aussi, étant étroitement surveillée, les informations venant de Nkamba lui arrivaient rarement, si pas très tardivement à retard. Cela compte tenu de la distance entre Nkamba et Tchela et à cette époque-là, la précarité des moyens de communication. Comme on peut l'observer, il y a un télescopage des dames prises régulièrement en mariage par Papa Kisolokele Lukelo. Donc, pour préparer donc ceci. Indépendamment de sa volonté, Dieu le Père, Papa Kisolokele, d'abord, la décision dictée par les relégués à Tchela, ensuite celle de la famille, donc Kakamui Lukia Wanga lui-même, elle-même plutôt en Kamba, et enfin de celle de Papa Kisolokele lui-même et de ses deux femmes concernées. Alors, que nous réserve la suite de cet imbroglio? En Kamba, les tractations de mariage entre les deux familles étaient finalisées. L'une d'entre les deux filles, les deux familles plutôt, par les liens de mariage et leurs fils et filles scellés, de commun accord, les deux familles expédièrent, donc envoyèrent Maman Nsalulu Pauline chez son mari, Papa Charles Kisolokele, à Tchela. Deux personnes étaient dans la délégation pour accompagner Maman Nsalulu Akanda. Deux personnes l'accompagnaient donc avec un courrier contenant des informations et les nouvelles de la famille Kimbangu de Nkamba. En fait, une surprise attend la nouvelle épouse, Maman Achela, Maman Nsalulu Akanda. Arrivée sur place donc, Maman Nsalulu Akanda, Pauline, avait trouvé une autre femme,
Maman Nzasa Hélène chez papa Kisoukili. Celle-ci venait de totaliser 3 mois de vie conjugale et était enceinte. Se posa donc la problématique de cohabitation de ces deux femmes, ce qui rendait l'équation très complexe, car l'autorité coloniale et l'église kimungiste, malgré en clandestinité, interdisaient une telle pratique. La délégation qui avait accompagné Maman Salo Akanda devait pouvoir trancher et trouver une solution satisfaisante à la situation en présence. Cette délégation envoyée par Maman Mouilou, dont la famille Kimbangu, de Nkamba, avait pour mission de déposer la femme Pauline Saloulou auprès de son mari, papa Kisoloke les Charles. Cette délégation était composée de Tata Lukuba, oncle de papa Charles Kisolokele, frère de maman Marie Mouilou Kawanga. Pour le compte de la famille de l'époux, il y avait aussi maman Marie, jeune sœur de maman Saloulou, pour le compte de la famille de l'épouse. Une fois chez papa Kisolokele Charles, à Tchela, la délégation venant de Nkamba avait fait l'exposition du motif, avait l'exposé donc auprès de papa Kisolokele le motif de sa présence. Il ressortait donc de cet exposé que la famille Nkamba avait doté une femme pour lui en remplacement de celle qui avait voulu l'empoisonner. Et donc maman Wamba Jeanne, et avec qui il s'était déjà séparé. Sincèrement, Dieu le Père, Tata Kisolokele Lukelo Charles, le roi des rois, observait avec émoi, et beaucoup d'interrogations, la situation dramatique en présence. On venait de lui apporter une nouvelle femme alors qu'il en avait déjà une, qu'il était déjà marié par les notables relégués. Il y avait de cela, donc il y a 3 mois de cela. Et papa Kisoukele Lukelo se trouvant face à un dilemme, car la loi coloniale et celle de l'institution spirituelle, donc l'église, ne lui permettait pas d'être polygame, s'il vous plaît. Il est 13h30. L'occupation pécuniaire m'exige de pouvoir interrompre cette communication parce que je vais reprendre l'occupation pécuniaire. Mais je vous donne rendez-vous quand Tata Kimbangu le voudra pour vous donner la suite de ces faits. Car ces faits-là ont créé les désarrois au sein de la civilisation de Tata Kimbangu, au sein du kimbanguisme, à un moment donné de l'histoire. Mais nous, on est clairvoyants là-dessus. Nous savons le pourquoi et le comment. Manamate Kakala, Makaladiaka. Quand on parle des faits nouveaux, il faut d'abord parler des faits antérieurs. Et ne vous inquiétez pas, on en fera état. Je vous laisse en compagnie de sa divinité, Tata Kimbangu. Parce que pour l'instant, l'application pécuniaire me demande. Voilà, je vais s'en comprendre la divinité. Je vous ferai la suite demain. D'accord? Sinon, cet après-midi ou ce soir, quand le conseil le permettra, nous achetons souvent la demande divine de la guimau Kiti Makangani. Et donc, je vous ai tout dit. J'ai. Nous avons qui nous? Nous, j'ai qui? J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata. Sa divinité, Tata. Sa divinité, Tata Kimbangu.
Kotima, Kiangani. Merci mes amis, à très bientôt. Accompagnez cette vidéo, je vous laisse avec cette vidéo. Merci mon guimon Kiangani. Est-ce que vous allez à qui?
Come on.
Mon amour, fais-tu le vrai savoir pour nous y, ma haute somme.
Yeah.
c'est mal.